Bonjour à tous et à toutes mes chers amis. Bienvenue pour une nouvelle série de vidéos qui seront prévisionnelles. Pas pour l'été 2022, la saison de l'été. Comme vous avez déjà pu voir, la saison du printemps 2022 avec avril, mai et juin. Donc vous avez les prévisions pour ces 3 mois, vous pouvez aller voir. Ça a beaucoup plu. Donc, je vais faire ici un prévisionnel, pas pour le mois de juin vu que je l'ai déjà fait, mais pour le mois de juillet et août. Il y aura 2 colonnes. Donc, j'ai mis 2 pyramides ici, juillet, août. Donc, ce qui va se passer, ce qui peut vous attendre, si vous voulez savoir un petit peu, ce sera plus ou moins les vacances, on peut dire ça. Et il y aura quand même en plus, après, comme toujours, les tirages saison. La saison de l'été qui est du 21 juin au 21 septembre. Ok, donc bienvenue sur les guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les vidéos de votre signe. Pour le soutien à la chaîne, cliquez la petite cloche en haut à droite pour recevoir les vidéos qui vous concernent. Si vous voulez un tirage personnel, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. On va faire par tirage au sort. Donc le signe aujourd'hui, ce sera les taureaux. On va voir tout de suite pour vous comment va se présenter. Donc, vraiment prévisionnel, ce mois de juillet et ce mois d'août, ça fait presque un peu loin, mais pas si loin que ça. On est content de savoir un petit peu ce qui nous attend. Pour cela, on va utiliser plusieurs oracles. Et d'abord, je vais commencer avec l'oracle des miroirs. 2 colonnes. D'accord? Taureau pour le mois de juillet 2022. Quel message? Quelle énergie? Elle est venue vite. Alors, au mois de juillet, vous allez retrouver la paix, la tranquillité, le bonheur, la zénitude. Souvent, après le lotus, ça nous dit qu'il y a eu des difficultés, vu qu'elle sort de la vase. Donc, des problèmes, de la noirceur, des primes et des attentes. On retrouve la tranquillité en ce mois de juillet. Donc, très bonne chose et on verra après avec les autres cartes ce qui sort pour vous. Est-ce que je continue directement avec le mois d'août? Taureau, août 2022. Taureau pour le mois d'août 2022. Quelle prévision pour les taureaux? Mois d'août 2022. Quelle prévision pour les taureaux? Août 2022. Prévision pour le mois taureau, taureau, août 2022. Et là, en août, on voit qu'avec le miroir magnétique est une très bonne carte, que vous allez pouvoir attirer à vous vos souhaits, vos désirs, vos rêves, tout ce que vous avez peut-être toujours désiré. Allez, on va le mettre ici pour faire bien penser aux vacances. Moi, ils sont à côté de toute façon, vu que j'habite à côté de l'océan. Alors, miroir magnétique, très bonne carte pour ce début, hein. Juillet, août. Miroir magnétique, vous attirez à vous ce que vous désirez. Vous avez des rêves, vous avez envie d'un projet, vous avez envie de mettre quelque chose sur place. Par vos pensées, vos intentions, vous allez les attirer à vous. Donc, je sais pas, le dos de deck n'est pas nécessaire parce que je ne l'ai pas fait pour les deux signes. Je le mets ici. Si j'ai besoin de cartes supplémentaires, on regardera après. Je vais voir avec l'oracle. Du tarot psychique. Les taureaux, juillet 2022. Taureau, juillet 2022. Quel message pour les taureaux? Message pour les taureaux en juillet 2022. Oui, on voit que vous avez beaucoup patienté, beaucoup attendu. Il y a eu de la répétition de schéma. Pour moi, vous vous en sortez bien. Vous retrouvez une tranquillité. Vous retrouvez votre santé, votre morale, on retrouve sa couronne, on retrouve ses racines, on est bien ancré. Ça a pris du temps, mais on voit que vous retrouvez cette paix ici sur vos répétitions de schéma avec ces boucles qu'il y a là autour, hein, si vous les voyez. Taureau pour le mois d'août 2022. Je vous referai la lecture ensuite avec toutes les cartes liées, hein. Le mois d'août, taureau, août 2022.
Ouais, vous êtes dans des énergies de réussite, ça devrait vous plaire. On nous dit, bah, reste debout pour ce en quoi tu crois. Tu as des idées que tu veux attirer vers toi. Tu as des idées que tu veux attirer vers toi. Hein. Miroir magnétique qui sont très positives. Elles vont arriver vers toi. Ici, c'est je suis sur la lancée de ma réussite. Je ne vais pas me laisser abattre, un peu comme cette carte hein, du lotus. Je vais rester debout hein, avec ce que j'ai et surtout je reste dans la confirmation que mes projets, mes idées sont justes. C'est aussi une notion d'ancrage, de réussite. Je lève mon bâton, je suis peut-être dans un nouveau projet. On nous dit surtout, je reste droit dans mes projets, j'ai la réussite. Ici, c'est vraiment, voilà, je suis ancrée, je continue, je persévère, je gagne. Déjà, ces belles énergies qui ressortent pour vous. Je vais encore regarder ici les énergies taureau pour le mois de juillet 2022. Taureau, juillet 2022. D'abord, je fais un tirage comme ça. Taureau, juillet 2022. L'énergie de la réussite. Réussite, oui. Chiffre 7. Taureau, juillet 2022. Le Chosen. Vous aurez envie de voir autre chose. Vous aurez envie de recommencer quelque chose. On nous dit qu'il y a une fin de cycle et vous êtes dans l'envie de... En ce mois de juillet, de découvrir de nouvelles choses. On a vraiment une fin de cycle hein, qui s'est opérée chez vous. Taureau, août 2022. Ouais, ben oui, on a envie de autre chose. Ça confirme, ces deux mois d'été, vous aurez envie de nouveautés, de nouvelles choses. Là, il regarde derrière la grille. Je connais mon environnement, je connais ma maison. Maintenant, j'ai vraiment envie de renouveau. J'ai envie de voir ce qu'il y a ailleurs dans le monde. J'ai envie de découvrir, j'ai envie de connaître. La même chose ici, le personnage est dans un cadre gris. Hein, comme là, il est dans un cadre gris. Et il a envie de découvrir autre chose. C'est exactement la même chose. Quelque chose de nouveau, de coloré, de vivant, de neuf, j'allais dire, oui, la naissance, la couleur, ok? Juillet-août, voit vraiment au niveau des énergies que vous désirez du neuf dans votre vie. On continue. Alors, on va prendre pour la matière... L'oracle Mathias, les taureaux pour le mois de juillet 2022. Taureau, juillet 2022. Taureau, juillet 2022. Taureau, juillet 2022. Le message, bah, waouh, dis donc. Vous avez l'abondance, la récolte. Vous serez bien, vous serez entouré, vous serez abondant. De paix intérieure, abondant de l'amour que les gens pour vous, abondant au niveau matière. Il y a des réussites, il y a de l'abondance et tout ça qui sera présent en juillet. C'est comme si vous finissiez un cycle et là en été vous retrouvez cette paix. Hein. On voit cette fin de cycle. Je vous dis, je vais revenir sur le tirage après. Taureau pour le mois d'août 2022. Taureau pour le mois d'août 2022. Taureau. Août. Ah ben, ça saute. Vous aurez des choix à faire. Hop là. Vous aurez des choix à faire et c'est sans doute par rapport en août à cette envie de renouveau. Vous avez envie de voir quelque chose d'autre. Peut-être ça peut être un déménagement. J'ai dit souvent. Alors, tant que ça n'a pas été fait, ben, vous allez peut-être le faire parce qu'on prend une nouvelle porte. Vous avez envie de prendre une nouvelle voie, une nouvelle vie. Construire une nouvelle famille, un nouveau travail, mettre en place un nouveau projet. C'est plus prendre une nouvelle porte, oui, ou choisir quelque chose de différent. Vous avez envie de renouveau
on le voit bien. Donc en août, vous serez dans le choix. Là, on nous dit que vous êtes bien, vous avez acquis une certaine connaissance, vous avez acquis certaines choses dans votre vie, vous avez récolté aussi certaines choses. Regardez avec l'oracle des Médéors, je vais voir s'il saute. Taureau, juillet 2022. Taureau, juillet 2022. Choix qui ressort, je vais le mettre là, je vais en avoir une autre. Retombée positive, hein. Il y a vraiment, vraiment du très bon pour vous là. Le choix ressort aussi là. Donc, vous serez en période de choix cet été pour une nouvelle avancée. Je vais encore en prendre une maintenant pour le mois d'août. Donc, on nous parle de retombée positive, ce que vous avez fait précédemment ou par rapport à ce changement qui s'amorce, que vous voulez découvrir, vous aurez l'abondance. Ici, c'est à nouveau, il y a des pièces qui tombent, hein. Quelque chose qui va porter ses fruits, peut-être suite à un changement personnel. Taureau pour le mois d'août 2022. Taureau, août 2022. Qu'est-ce qui va arriver pour les taureaux en août 2022? Taureau. Mathias, je le mets là. L'oracle des Médéors, c'est comme je disais toujours, c'est un gros oracle. Juste une carte pour le mois d'août. Taureau, août 2022, un message. Ok. Alors, on parle de blocage karmique, de répétition de schéma. Ok. Je vais terminer avec une carte sentimentale parce que c'est important. On va prendre l'améthyste là, même s'il a un peu d'usure. Blocage karmique, c'est ce que je vous ai dit, qui est en rapport avec cette répétition de schéma. Hein. Répétition, on tourne autour de la planète, on fait les mêmes choses. Donc, on sent qu'il va bien falloir sortir de ça. On nous dit que c'est la fin pour aller vers autre chose. En ce mois d'août. Il faut débloquer cette problématique. Niveau sentimental, on prend une carte, on verra ce que ça nous donne. Les taureaux en juillet 2022. Taureau, juillet 2022. En amour. Taureau, juillet 2022. Alors, chance et secret, je vais surtout avoir les cartes en visuel, hein, parce que sinon, ça ne sert à rien de faire des lignes qui sont impossibles à voir. On nous dit peut-être une chance de découvrir un secret, une chance de découvrir que votre peut-être relation actuelle en juillet, votre partenaire pourrait avoir quelqu'un. Et taureau pour le mois d'août 2022. Taureau, août 2022. Taureau, août 2022. On parle de messages, de nouvelles. Soit vous avez envie de couper avec cette personne, elle voudra revenir, c'est souvent ça. Vous aurez des nouvelles de l'ex si vous êtes en séparation. En tout cas, il y aura des messages échangés. Alors, je vais revenir sur votre mois de juillet. On nous dit que vous retrouvez la paix. Vous retrouvez une paix intérieure après, on va dire, ces 6 premiers mois où ça a été difficile. Parce qu'on voit, comme je vous l'ai dit, que vous sortez de cette vase des difficultés qu'il y a eu précédemment. Enfin, vous avez une paix. Enfin, vous renaissez comme une belle fleur, vous reprenez des couleurs, vous reprenez du bien-être. On nous parle que justement, en ce mois de juillet, on a la notion de temps, la carte du temps, qui dit que ça a duré depuis trop longtemps. C'est ce blocage karmique hein, qui ressort là.
Ça a duré beaucoup trop longtemps. C'est le fait de tourner en rond, d'un certain entêtement, d'une difficulté à voir les choses autrement. Mais en ce mois de juillet, vous reprenez, comme ici, force, courage, équilibre, une belle stature, un bel alignement entre votre couronne, donc ce que vous êtes à l'extérieur, vous montrez à l'extérieur votre santé, votre bien-être, et vous êtes aussi bien ancré. Donc vous avez compris, vous êtes plus dans l'illusion ou le rêve. Vous n'êtes plus en train de rêver, hein, ou d'écouter des choses qui ne sont pas dans la réalité. Avec la carte ici, je vous l'ai dit, pour le mois de juillet, vous aurez déjà des envies de voir ailleurs, autre chose, sortir des murs gris ou des murs que vous connaissez. On voit que pour le moment, c'est comme si c'était bloqué ou que vous avez été bloqué longtemps dans une situation. Vous avez vraiment envie de renouveau, les taureaux. Vraiment envie de découvrir quelque chose de neuf, mais qui peut être dans tous les domaines. N'hésitez pas à adapter à votre situation, vous pouvez me mettre en commentaire. On a une très belle retombée d'abondance, de bien-être en ce mois de juillet. Je vous ai dit bien entouré d'amitié, d'amour si vous êtes en couple, d'abondance, peut-être une récolte de ce que vous avez semé précédemment qui rapporte bien maintenant. On nous parle deux fois de retombées positives. Dans ce jeu, vous avez l'abondance et les retombées positives. Donc en juillet, n'ayez aucun souci, vous serez vraiment à l'abri du besoin. Peut-être une somme d'argent qui vous est due. Il y a un projet, une situation, une vente qui porte ses fruits. En amour, on nous dit, tu as la chance de découvrir la vie double peut-être de ton partenaire. Parce que ça, c'est la chance pour vous. C'est pas vous qui avez quelqu'un. Très beau mois de juillet. Pour le mois d'août, on a le miroir magnétique, comme on l'appelle. Ici, c'est, eh bien, tu as un peu la chance avec toi. C'est-à-dire, tu peux attirer à toi les rêves que tu as. Parce qu'on voit que vous avez ici des rêves, des passions que vous voulez garder, atteindre. On nous dit, reste debout pour ta croyance, tes envies. Donc c'est ça, vous avez vous attirez à vous, vous allez tout faire pour continuer sur vos projets et vous n'allez pas en démordre. Vous avez envie d'arriver à quelque chose, mais justement, vous avez envie de sortir. C'est comme si vous aviez un rêve que vous voulez atteindre, vous attirez vers vous, vous restez debout par rapport à cette croyance, vous voulez arriver au but, vous êtes dans le, comment on dit, l'as de bâton, celui qui va agir pour réussir, parce que vous êtes dans une énergie cet été où vous avez marre de ce que vous connaissez, vous allez être dans le désir de voir autre chose que vous ne connaissez pas. On nous a bien dit deux fois de suite qu'il y aura un choix à faire. Donc, comme je parlais, est-ce que c'est un appartement, parce que ça me parle de porte, on choisit une nouvelle porte. Donc, il y a quand même cet été un choix de destinée important. Hein? Choix à faire, où est-ce que je vais? Pour votre domaine, je ne vais pas préciser, je ne sais pas. La même chose qu'avant, donc on nous dit que vous étiez, pour moi, dans un blocage karmique, où maintenant, vous allez vous en sortir grâce au choix, grâce à la reprise de bien-être, grâce à l'attirance vers vous de vos réels désirs et non des schémas répétitifs. Hein? Cette fois, vous êtes ancré, vous êtes droit et on sort de ces blocages karmiques. C'était ça qui se passait, c'était du karma. Et en amour, il y aura bon, des nouvelles. Alors, ça peut être message envoyé, c'est peut-être vous qui allez envoyer des messages. Il y aura des courriers, en fait, qui seront échangés, c'est ce qu'on nous dit, sans être développé, le tirage, le message amoureux. Pour informer votre double que vous savez certaines choses. Voilà. On va rester sur ces prévisions avec ces différents oracles pour vous les taureaux. J'espère que ça va vous aider, que vous allez être content de savoir un petit peu ce qui se passe en avance. Merci pour vos retours et à tout bientôt. Au revoir.